Bon voilà, j'ai fait le rose du milieu. J'ai tourné. Bon, au début, franchement, c'est un peu galère. Là, j'ai fait un dessus, un dessous, un dessus, un dessous, hein, comme je vous ai expliqué. Après, je me suis dit, peut-être que si j'en fais deux par deux, deux dessus, deux dessous, deux dessus, deux dessous, voilà, je faisais un ou deux tours. Après, j'intercalais. J'en passais une et après je refaisais deux pour que ça intercale un petit peu. Donc ça fait un espèce de motif comme ça. Et maintenant, faut que je mette ça. Sauf que je ne sais pas comment faire. Peut-être... parce que là, en fait, j'ai arrêté mes fils et j'ai mis de la colle. Donc, peut-être que... pareil, hein, va falloir que je fasse un collage peut-être derrière, comme ça. Parce que je ne sais pas comment du tout faire tenir ça. Je ne sais pas. Mais vu qu'il n'y a pas d'explication, c'est un peu chiant, quoi. Je vais faire pareil, je vais faire un dessus, un dessous. Là, il y en a moins, donc ça va aller plus vite. Ah non. Je me demande s'ils n'en ont pas pris deux, là, du coup. Par rapport au modèle, je vais essayer avec deux. On va bien voir. Bon, je le tiens. Je tiens la base là et je fais, vous voyez, deux dessus, deux dessous. C'est marrant cette matière. J'avais jamais travaillé cette matière. Voilà. Non, on a vu, c'est pas comme ça. Non, ça doit être juste un dessus et deux dessous. Allez, hop, on recommence. J'en passe deux. Voilà, vous voyez, là j'en ai passé deux. Et je ressors que un. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. J'en passe deux. Donc on continue, on fait les tours comme ça. Tout le long, bah tout l'arrondi, tout le temps. En fonction de ce qu'on a envie de faire aussi. Hein. Vous voyez ? Un dessus, c'est plus joli. Un dessus, deux dessous. Un dessus, deux dessous. On va essayer. Bon, bah, je crois que je vais continuer tout le long comme ça. Normalement, ça devrait aller assez vite parce que là, la laine est grosse. Je sais pas combien de temps j'ai mis pour faire ça, mais ça prend énormément de temps. Vous découragez pas, hein, vous allez y arriver. Moi, au bout d'un moment, je me suis dit, oh, c'est trop long, c'est chiant. Mais non, ça se fait au final, ça se fait tranquille. Hop. Petite mouche. Hop, bah du coup, je sais pas quoi vous dire, je continue. Mettez en accéléré hein, si vous voulez voir la suite. Parce que moi, je peux pas le faire. Donc on va arriver au début là. Donc je vais voir ce que je vais faire, si je le colle ou pas au final. Donc ça donne ça. Non, je crois que je vais continuer. Là je vais en faire... Alors du coup là il m'en reste, vous voyez, hop. Là il m'en reste 3. Si j'en fais 2 dessus, 1 dessous, ça va revenir au même endroit. Donc je vais aller carrément, je vais prendre les 3 au-dessus.
Et je reviens. Et le 1 tout seul là, comme ça il est un petit peu en décalé. Parce que si on les fait les uns au-dessus des autres, à mon avis ça va pas faire terrible. Ah là j'en ai pris deux. Ouais, c'est mieux comme ça. Bah voilà, donc bah vous continuez comme ça avec le gris, avec toutes les couleurs que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les couleurs non plus. Moi je suis même pas sûre que je vais mettre le marron, je sais pas, parce que je pense que juste ces trois couleurs là ça suffit. Mais de toute façon vous avez déjà vu sur la couverture de la vidéo ce que ça donnait, puisque je vais le prendre en photo quand ça sera fini pour faire la couverture de la vidéo. Là je pense que j'ai pas besoin de vous montrer, après c'est le même système, on décale, on fait dessus, dessous, voilà, je vais pas faire la vidéo, sinon vous allez avoir 3 heures de vidéo, donc je vois pas l'intérêt. Donc le petit test pour moi là en vidéo est terminé, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez compris le système et que ça vous a donné envie d'en faire. Voilà, alors celui-là, le kit, là, j'ai trouvé chez Action aussi. Mais je sais qu'ils en font aussi dans d'autres boutiques. Alors, je ne sais pas trop lesquelles, mais dans les boutiques de loisirs créatifs. Sûrement qu'à la Fourmi Créative, ils doivent en avoir. Sûrement que peut-être la petite épicerie, Perles & Co. Enfin, tous les genres de boutiques comme ça, je pense que vous pouvez en trouver. Donc, je vais continuer. Je vous fais une belle photo de couverture et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.